La filiale marocaine du pétrolier Total s'introduit en bourse de 15% des parts de Total Maroc. Prévue entre le 11 et le 15 mai, cette opération se fera par voie de cession d'actions de l'ordre. Le montant de l'opération sera compris entre 611 et 719 millions de dirhams. Le groupe Total a pris la décision en mai 2014 d'ouvrir le capital de sa filiale marocaine Total Maroc après 90 ans ou près de 90 ans d'activité économique dans le pays pour développer un ancrage régional et local de sa société dans une nouvelle phase de développement de façon à associer des investisseurs régionaux et locaux marocains, petits porteurs, particuliers, salariés, institutionnels, au succès de ces opérations et au futur développement et investissement de cette filiale. Pour la réalisation de son introduction en bourse, la filiale du groupe français a mandaté deux banques marocaines, Tijari Wafa Bank et la filiale locale de la Société Générale. Et à travers cette opération, Total Maroc vise à ouvrir son capital au grand public et aux investisseurs institutionnels ainsi qu'à ses salariés et partenaires. Cette décision donc a été prise l'an dernier, en mai 2014, avec une première étape qui a été la vente du capital à hauteur de 30% au groupe saoudien Zaïd, qui est un partenaire historique du groupe Total dans ses activités de marketing et de services. Et dans un deuxième temps, donc par introduction à la bourse de Casablanca de 15% du capital, ce que nous réalisons ce mois-ci après un an de travail de préparation. Il reste à noter que Total Maroc est le troisième distributeur pétrolier sur le marché national avec une part de 16% en 2014 et il commercialise 1 million de tonnes de carburant par an et gère plus de 270 stations-service.